Mesdames et messieurs, acclamez le grand Ludic Warrior! Plus sérieusement, ça fait plaisir de vous retrouver. It's good to be here. Non, c'est bon, allez, on va pas commencer à faire l'accent américain. La raison de pourquoi j'étais absent ou pourquoi je suis absent, vous l'interprétez comme vous voulez, ça sera expliqué en fin de vidéo. Aujourd'hui, on va tester Heavy Rain, jeu que je ne connais pas. Je crois que c'est un jeu à choix. Je l'ai testé vite fait, mais pas longtemps, donc on va voir à quoi ça ressemble exactement. Je sais juste que c'est un jeu très fun, enfin peut-être pas, parce que j'ai lu des trucs comme quoi il y aurait un tueur. C'est la seule info que je sais. Donc en plus j'ai commencé un tout petit peu et tout, on va reprendre à zéro. Ça a l'air d'être un jeu super soft, pourtant j'ai postillonné comme un porc. Et puis c'est parti. Et puis qu'est-ce que vous pensez de ce sweat orange là? Bon, on dirait soit que je bosse à Quick, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous ne saurez même pas où est-ce que je l'ai acheté. Ça commence par prix et ça finit par marque. Bonne chance. Donc c'est parti, nouvelle histoire. Je vais reprendre celui-là. Voilà, on recommence à zéro. C'est parti. Voilà, ça supprime tout et on recommence à zéro. Oh! On est en slip. Très bien. Soirée un peu arrosée. Oh putain, frère, je sais plus ce que je fous là. Je suis en slip. Oh merde. Oh fais chier, je vais me faire copyright moi. Enfin c'est même pas copyright, je vais me faire ban. Oh. Bon il a l'air bien. Il a bien dormi tout ça. Alors. Putain la démarche quand même du gars. Franchement, il n'y a pas mieux. Vraiment le gars, limite c'est comme si que je marchais comme ça quoi. Alors, dans notre placard. Ok, aujourd'hui je m'habille pas, je sors comme ça, y a pas de souci. Écoute, tu veux pas t'habiller. Par contre, pourquoi c'est en anglais? Je crois que j'ai fait de la merde quand je suis monté derrière parce que j'ai touché aux paramètres sans faire exprès. Alors, langue. I speak English very well, but I want sous-titre français. Français! Français! Shower, je sais ce que c'est shower, mais pourquoi ça applique pas? Ah, j'ai pas fait valider. Et là, à tout moment, voilà. Donc on va écouter ce que t'as envie de nous dire. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Mais frérot! Le mec a mis le micro comme ça pour parler! Ça va fort! Je vais me prendre des screamers à chaque fois. Eh bah tu sais quoi? Non. Exhibition en public, on va aller voir les voisins en slip. Ah merde! Je suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. C'est quand que je vais arrêter de me prendre des screamers auditifs? Merde! Hop là. Un oiseau. Comment il va, l'oiseau? L'oiseau, il me voit en slip, mais tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Les chiottes. Ah, d'accord. Par contre, t'abaisse pas ton caleçon pour pisser un petit peu. Vas-y, je vais pisser. Il est en train de pisser sur lui, là, mais c'est pas grave. Putain, y'a même les bruitages et tout. Tranquille. Lave-toi les mains, non? Non? Très bien, écoute. On va pas se laver les mains et on va y aller. Écoute, moi j'ai envie de descendre, donc je vais descendre. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Je vais m'habituer aux voix, hein. Vous inquiétez pas, mais... Pfff. Je vais prendre des excréments auditifs. L'oiseau va fermer sa gueule. Y'a des gens? Mais attendez. Mais y'a des gens devant. Et là, je suis en train de me montrer en slip. Ils vont appeler les flics. Attends. Mais regardez, il y a même un gars qui se balade là-bas. Ils sont tous en train de me voir en slip. Ah! Des balles!
Ça me fait 5 balles sur moi actuellement. Alors, pour les actions de rythme et de précision, appuyez sur la touche indiquée dès qu'elle apparaît. Ok. Olé ! Ah ah ! Je suis le meilleur dans ça de toute façon, je suis pas un petit clown pour rien moi. Et je vais pas me tromper. Oh allez, je suis trop fort en touche, oh j'ai gagné. J'ai gagné, je suis le meilleur clown de tous les temps. Du coup, je vais aller dans la salle de bain. Et on va se regarder un peu dans le miroir. Ah, qu'est-ce qu'on est beau. D'ailleurs, on a toujours le même sourire, c'est comme si je vous regarde et je suis comme ça. Vraiment, c'est flippant, c'est un truc de fou. Hop, brosse-toi les dents maintenant. Hop. Mais ferme-le ! Mais gros, mais ferme-le ! Mais ça cause des gens de... Mais ça cause des gens comme toi que la planète va mal ! Mais ferme ton putain de... Regardez ton putain de sourire ! Mais ferme-le ! Putain, ça c'est dur en plus. Bon, ça va, j'ai l'habitude. Non. Non, c'est quoi ça ? C'est un téléphone. Ah non, merde, c'est... Je croyais que c'était un téléphone. Et du coup... Hop. Ah merde, je me suis coupé. Trop rapide. Bah nique ta race, regarde. Oh, putain, la gueule qui fait, là. Hop là. Ah merde, c'est pas fini. Oh, oh là, je viens de me couper, gros. Il va me détester, ce gars-là. Trop rapide. C'est ce qu'on me dit souvent. Non. Bon, par contre, j'en ai marre un peu d'être en slip. Du coup, on va prendre notre douche. Je crois qu'on a tout fait en plus. Alors, tournez là. Putain, mais le gars, il bouge vraiment comme ça. Je couche, c'est un perso de GTA, c'est pas possible. Alors, on va prendre notre douche. Oh merde! Non, 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 je veux pas me. Oula! Monte pas la caméra surtout. Ça va, il montre pas parce que. Oh merde! Ouais, je pouvais pas montrer trop ça. Ça risque le ban, par contre. Surtout, ne te montre pas de profil, parce que ça risque d'être très violent. Hé, hey, arrête! Stop! Stop! Ne... J'en ai marre! Mais gros! Putain, je suis obligé encore de faire ça. Et il va avoir des montages. C'est pas possible. J'en ai marre. Hop. Allez. Ma manette elle va partir, je le sens. Tu veux pas te sécher entre les couilles aussi, je sais pas, parce que tu te sèches bien là. Il s'est pas séché là, ok. Ah, on a changé de calbut. Mais je suis toujours en calbut, ça revient au même. Oh merde. Ok, donc maintenant je pense que je peux aller m'habiller. Qu'est-ce qu'il pense ce personnage? Vêtements. Je suis propre, je peux aller m'habiller maintenant. Ok. Ça m'a fait du bien de prendre une bonne douche. Je me sens presque réveillé. Ah ouais, bah la douche que t'as pris, je couse, t'inquiète même pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est moi ou le gars il ressemble un peu à Daniel Craig de James Bond. Par contre mec, tu fais pas ton lit, tu fais tout, tu fais tout bien, tu te rases, tu te brosses les dents, tu te laves, mais il fait pas son lit. Même tes gosses ils font mieux, attends. Ah non. Pas du tout, ça tient de leur père. Bon, l'oiseau il va fermer sa gueule par contre. Parce que ça casse la tête. Je vais le libérer, je vais le mettre dehors. Visiblement c'était l'anniversaire. Les pensées du personnage varient. Jardin. Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin. T'as le mec, il a une voix de robot, c'est incroyable, c'est Robocop le mec. Café. Je crois qu'une tasse de café me ferait du bien. J'ai soif. Il doit y avoir du jus d'orange dans le frigo. Bon, faut te choisir, hein. Café, jus d'orange, faut savoir. Y a peut-être quelque chose à la télé? Je pourrais m'asseoir sur le canapé et me détendre en attendant que Grace et les enfants reviennent. Grace. Bientôt midi. Grace et les enfants ne devraient pas tarder. Ok. On étouffe ici. Un courant d'air ferait du bien. Ouais. Je pourrais mettre un peu de musique. Non, copyright. Non. J'espère que Grace aura trouvé le cadeau pour l'anniversaire de Jason. Alors, on va se prendre un bon petit café. Attention. Ça fait pas le bruit du marteau piqueur. Le café était déjà fait. Et hop là, on renverse tout. Regarde. Oh, hop les. Putain, la bouche qui fait. Et maintenant, le frigo. Putain, le gâteau.
Ah d'accord, ça a pas encore pas... C'est... J'arrive plus à parler. La fête n'est pas encore passée, il y a encore le gâteau, donc j'imagine que voilà, hein. C'est la fête de Jason. Putain, il a pris le truc. Clac. Putain, j'aurais renversé ma cam, j'aurais été dégoûté. Putain, je suis encore obligé de faire ça. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Oh, oui, le jus d'orange. Boire du jus d'orange après du café. Oui, bois-le, arrête de faire une tête comme ça. Ah merde, c'est comme ça. Je suis con. Putain, il le boit comme ça, le mec. Il n'y a pas le temps, il prend pas un verre. Ah bah, tu m'étonnes, hein. Après du café, c'est pas le bon truc, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dehors? Il y a un monsieur bizarre qui marche derrière depuis tout à l'heure. Et il y a des enfants devant qu'on regarde. C'est très bizarre, mais c'est pas grave. En plus, on sourit d'un air bizarre. On va les enfermer dans la cave, c'est obligé. C'est obligé, c'est ça le but du jeu. Il y a un tueur, c'est nous, et on va enfermer les enfants. Voilà, j'ai tout cramé. Allez hop, on s'écarte. On va les enfermer dans la cave. Putain, allez. C'est bon, on est arrivé au boulot. Le boulot chez soi, quoi, c'est pas incroyable. Après, quand t'as des gosses, ça doit pas être évident. Mais là, ils sont pas là, donc c'est nickel, on peut en profiter. Ah, par contre, bosser avec de la musique comme ça... Ah, c'est bon, ça s'est coupé. Plus de droit d'auteur. Et ça, ça s'appelle des segments. Je vous apprends rien. Allez, hop. Et ça, la parallèle... Ah oui, non, mais je peux même plus faire mes cours de maths, là. T'es en train de faire des... Bah, si, mais là, je serais pas expliqué ce que c'est. C'est beaucoup trop, là. Ça, ce que je vous ai expliqué avant, c'est le cours. Et ça, c'est le DS de maths. On se connaît. Ya. Ya. Regardez comment je dessine bien. Ah là là, il dessine comme moi je dessine. Incroyable. J'arrête là, non je déconne. Allez hop. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va repasser au noir, c'est ça? Ah, je dois aller doucement visiblement. Ouais, bah abuse pas du bail non plus. Prendre une règle, ça serait pas plus simple. Parce que moi, vraiment, comme ça, je fais ça. Hein. Clairement, je. J'ai pas de précision hein, avec un stylo comme ça. Allez. Non. Il revient en arrière. Non. Maintenez, enfoncez toutes les touches jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Il va m'en mettre 156. C'était sûr. Tu veux que j'appuie sur toutes les touches de ma manette au pire? Comme ça au moins il n'y a pas besoin de toucher. C'est reparti. C'est carré. L1 X. Bon ça va, c'est des touches où est-ce que mon pouce est à côté et tout. Mais s'il m'aurait dit ouais appuie sur rond là, ça aurait été compliqué hein. Carré et rond c'est pas possible. Enfin quoi que si. Ouais si mais on va éviter. Maintenant on va gommer ce qu'il y a en trop. Oh merde! J'ai niqué son dessin. Mais merde! Bon allez, j'arrête de faire le con. Je regomme le même truc depuis tout à l'heure. C'est la gomme, elle marche pas aussi. Let's go! J'en ai marre de secouer ma manette. À chaque fois faire ça. Putain, mais demande de le faire vite en plus. Aïe. Je me suis niqué à faire le con. Faire des vidéos, c'est du sport quand même. Pour tous ceux qui ont dit, ouais, la play, ça muscle les pouces. Non, ça muscle les bras. Même si j'avais déjà l'habitude. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite signature des familles. Voilà. J'ai bien avancé sur les plans. Ça devrait être terminé pour lundi. Bah c'est pas terminé. Hey, validé ou pas? Donc on est sur Heavy Rain, comme je dis Rain. Je ne sais même pas ce que c'est en le titre du jeu. Rain, je pense, la pluie, comme Raining. Hey, on a tous eu ça au collège, peut-être dès la sixième ou quoi, la prof qui dit « Repeat after me, it's... raining. » Et là, toute la classe, it's raining. On a tous eu ça. C'était gênant, je couse. Oh.
Des gens arrivent. Putain, la voiture elle vole, mais c'est pas grave. Oh putain, voilà ma femme. Ah, mais non, il est content. Papa, doucement, vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que je vais être grand. Tu as attrapé des poils sur le zbeub. Grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture. Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Non, toi, tu conduis pas. Allez, maintenant, tu vas faire la vaisselle. Tu te casses, voilà. Je te prends ça, tu fais la vaisselle. Putain, je vais avoir des féministes là-dessus. Oh, le bisou, c'est magnifique. Je plaisante, bien évidemment. Hein. Il doit y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Flemme. Pas de problème, je m'en occupe. Eh ben non, parce que moi, je vais dans le jardin, justement. Wow! C'est Anakin vs Obi-Wan! Attends, s'il y en a qui se met un coup, je vais aller intervenir, là. Oh, qui va gagner? Ethan, je croyais que tu t'occupais des assiettes. Non, je me casse, je me casse. Elles sont dans le buffet du salon, c'est ça? Ouais, j'arrive! Hé, hey, papa, tu viens jouer avec nous? Papa, viens jouer avec nous, s'il te plaît! Allez! Gna gna gna. Jouer! Ok. On va jouer! Nique ta race pour les assiettes! 5 minutes, les garçons, ok? Non! Après, il faut qu'on déjeune, les invités de Jason vont arriver. Ok, promis, maman. Ah, mais c'est notre anniversaire! Du calme, on va qui veut sucer le gland à papa? Moi d'abord! Moi d'abord! Non, moi d'abord! Je veux faire l'hélicoptère, papa! What? What the fuck? Tu veux faire l'hélicoptère? Mais c'est. Non! Je. Quoi? Mais. C'est des fous! Mais ils sont malades! Tu m'as demandé de te jeter en l'air? Alors toi, je vais te monter en l'air, t'inquiète même pas! Violence sexuelle, mais c'est pas grave. Voilà. Ok, chaud. Tu es prêt? C'est parti. Allez, let's go. Oh putain, je suis un avion. Ah merde, je pensais qu'il fallait suivre là. Et là, je lui donne un gros coup dans le mur. Merde, tu vas rigoler, mais deux secondes, tu vas passer chez la voisine. Ça te fait rire, connard, hein? Garde notre riz, complètement dégoûté. non, non, c'est bon. Ça te fait rire? Moi je vais te déposer à terre, c'est bon, t'as assez monté en l'air? Puis c'est essoufflé le père là. Allez hop! Toi! C'est mon tour maintenant! Allez viens, Jason, on va faire l'hélicoptère! Non! Non, non! Ne faites rien! Wow! Wow! Attention! À la rampe! Papa, il va te montrer autre chose que son plus gros muscle. Tu veux le voir? C'est parti. Voilà. Bon, c'est bon, là, ou quoi? C'est bon. Oh, mais deux claques dans leur gueule. Oh! Le combat. Dark Vador Obi-Wan. Je vais te casser la gueule. Oh! Bah en fait c'est moi Obi-Wan. Attention! Pouf! Je lui ai mis un coup dans la gueule bientôt. Tiens sale gosse, je t'ai jamais aimé. Je savais que j'aurais dû me retirer de maman. Voilà. T'as voulu faire l'hélicoptère. Voici les violences que je t'afflige. Je vais te péter la gueule, sale moche de merde! Je vais le regretter. Je ne serai pas gagné, c'est un fou lui ou quoi? Tiens, rentre chez toi! Je peux encore lui faire mal! Tiens, prends ça! Ah, ça fait du bien là! Casse-lui la figure! Casse-lui la gueule! Allez! Et attention, coup final! Oh! Je l'ai niqué. Mais il a cru quoi ce gosse là? Les enfants, on arrive. Du coup on va rentrer, ils sont déjà installés. Pour l'instant c'est calme, hein, c'est tranquille. Merci. Franchement moi je m'amuse. J'ai dû m'occuper des assiettes toute seule pendant que tu jouais avec les enfants. Mais d'où tu m'engueules frère? What? Moi je m'occupais des gosses. J'aurais fait les assiettes, t'aurais fait ouais les enfants ils foutent le bordel et tout. Je me suis occupé des gosses. Regarde en plus il y a sa trompette en bas là.
Putain, c'est toujours comme ça les femmes. Le déjeuner est prêt. Je vais le chercher. Non, je vais pas le chercher parce qu'après je suis avec les enfants, tu vas dire ah t'as pas mangé, c'est froid. Nique ta race maintenant. Il est parti où ce connard? Ça tombe, il va être buté. Ouais, parce que là on fait les malins, mais je sais qu'au bout d'un moment on fera plus les malins. Parce que là on n'a pas vraiment de choix. Enfin là si on a fait un choix entre guillemets entre jouer avec les enfants ou l'aider. Ça tombe, c'est les enfants qui auraient foutu le bordel en mode ah t'as pas joué avec nous. Quoi que tu me dirais, jouer à deux ils étaient très bien, hein. C'est moi qui est venu. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi je vais jouer avec les gosses. Oh frérot, tu fais quoi là? You l'oiseau. Je voulais le libérer, mais je l'ai. Oh non, il est mort. Je vais pleurer, chouze. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais. Non, non. Il est mort. Il est mort et c'est de ma faute. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Je vais pleurer, je crie. Certaines choses doivent arriver. Même si on ne veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. Je sais. Merde. Mais non, mais putain. On rigolait bien tout à l'heure, j'ai fait « Ouais, l'oiseau, ferme ta gueule, il est mort !» Moi, je suis sensible avec les animaux, même si c'est qu'un jeu. Ah, les oreilles. Moins fort. Frérot, je suis dégoûté. C'est triste, bordel. J'étais à deux doigts de pleurer. J'avais les larmes aux yeux, merde. Là, vous voyez vraiment à quel point je suis sensible, merde. Oh là là. L'anniversaire, on le passe. En tout cas, une belle famille. Ça va un peu fort. Je voudrais jeter un coup d'œil aux chaussures pour Sean. Vous nous attendez une minute avec Jason? Combien on en aura pas parlé? Bien sûr, pas de problème. Ne bouge pas d'ici. Hein, Jason? Viens, mon père. Est-ce que j'aurais pu éviter la mort de l'oiseau ou c'était fait exprès? Je pense que c'était fait exprès. Bon, et ben voilà, les amis, c'est la fin de ce premier épisode sur Heavy Rain. J'espère que ça vous a plu. Alors là, franchement, en un épisode, c'était pas très long en plus. Je suis passé par toutes les émotions. Je suis passé par limite la peur, parce que je me suis dit, ça tombe, le gosse est mort en montant. J'ai passé par l'humour, parce que vraiment, tout ce qui s'est passé, là, c'était n'importe quoi, l'hélicoptère et tout, mais c'était taré. Et je suis passé par la tristesse pour un putain d'oiseau. Mais merde! Je sais que je suis sensible avec les animaux, mais à ce point, franchement, j'ai un lien avec les animaux, c'est incroyable. Tu montes quelque chose qui meurt, même un oiseau, je vais pas bien. C'est incroyable. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite de Heavy Rain. Enfin, je dis bientôt, mais quand j'aurai le temps. Parce que oui, j'allais vous en parler justement. Pourquoi j'ai eu une si grande absence? Parce que j'ai eu le bac et tout ça, comme vous le savez. Actuellement, je suis en études supérieures. Donc voilà, après, entre les vidéos, ma vie personnelle, les cours, les potes, c'est un gros bordel en soi. Parce que, vous inquiétez pas, pendant ces longs mois, j'ai tourné plein de vidéos et tout. Le problème, c'est que une vidéo à tourner, ça prend pas longtemps. Genre là, ça a peut-être pris, je sais pas, 20 minutes, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Parfois ça dure une heure, mais à monter par exemple cette vidéo là ça pourra me prendre je sais pas 3-4 heures par exemple, ou même plus, et le rendu j'en parle même pas. Donc j'essaye de jongler entre ça, mais parfois c'est pas possible parce que faire du montage et tout sur un ordi qui bug à mort, faut que je fais un gros nettoyage ou j'en sais rien, mais ça devient vraiment compliqué. Plus ensuite aussi j'ai une grosse dépression pendant tout l'été, hein, l'été 2021, je sais pas quand cette vidéo sort, mais logiquement je vais essayer de la sortir au plus vite. Donc, parce que là on est quand on est le 2 octobre alors que je parle. Donc voilà, genre j'avais pas trop ma tête à ça non plus, à tourner. Enfin à tourner si, justement, j'en ai tourné pendant ces moments-là que j'allais pas bien, j'ai tourné. Et j'avais pas la tête à monter ou quoi, de toute façon je pouvais pas, hein. Donc j'espère que vous me comprenez, que j'ai vu que pour la plupart vous êtes tous restés et ça me touche personnellement.
Parce que ça me dit que même si j'ai une grosse absence, bah vous restez là et puis ça me fait plaisir. De toute façon, comme je l'ai toujours dit, j'arrêterai jamais. Si j'arrête, c'est que j'ai un problème. C'est soit je suis mort, soit mon équipement a pris feu. je dis que des mauvais trucs, mais en tout cas, ou YouTube ferme. Hein. Mais en tout cas, j'arrêterai jamais, sachez-le. Donc peu importe dans combien de temps j'arrive, je serai toujours là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau aussi. Puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.